matelas qui est encore là. Salut, salut! Quoi? Alors aujourd'hui, nous allons... Ben, je fais encore un petit vlog, hein, évidemment. Hein. Je sais que vous aimez bien les vlogs, quoique en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, mais vous n'êtes pas là. Donc aujourd'hui, le petit vlog sera que nous allons aller décorer la salle de ma mère. Parce que demain, c'est le grand jour pour les renouvellements de vœux. Toi, t'es en train de me mettre des gâteaux partout. Tu en crois? Non, merci. J'ai déjeuné déjà. Et par contre, tu mettras tes chaussettes à laver. C'est pas moi, ça. Si, c'est à toi. Et ça fout là. Et ta ceinture, là. Donc, nous allons faire ça. D'abord, nous allons rejoindre ma mère, là, parce qu'elle est en train de faire les achats, les derniers achats pour demain. Ensuite, nous allons aller dans un... Alors là, vous allez rigoler. On va aller dans un magasin de déguisement parce qu'avec Tissène, on s'est remis au TikTok. Oui, on s'est remis au TikTok. Je vous mets mon TikTok sous la vidéo. Je savais, j'attendais en plus, j'attendais. Oh putain, je la vois aiguë aujourd'hui. Et du coup, on va aller... donc, on s'est remis au TikTok et on s'éclate. Mais qu'est-ce qu'on rigole, hein, Tissène? Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on rigole, c'est incroyable ça. Et du coup, nous allons aller dans un magasin de déguisement, acheter quelques petits accessoires, vous savez, des petites moustaches, des trucs comme ça, pour faire le monsieur et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est souvent chiant quand on fait à la fois l'homme et la femme et qu'on est seul. Parce que Tissène, elle va bientôt partir, n'est-ce pas? Bon, elle sera là le week-end, mais bon, en semaine, je vais me faire chier, donc je ferai des TikTok. Et du coup, j'ai décidé d'acheter des petites moustaches, des petits accessoires pour faire à la fois l'homme, à la fois la femme. J'ai eu cette petite idée hier soir. Donc là, on va y aller. Et voilà, donc là, on va rejoindre ma mère. J'ai mis la grosse couette dans mon lit parce qu'il a fait froid la semaine dernière. Les températures avaient beaucoup baissé. Le matin, il faisait 6-7 degrés. Et là, pendant toute la semaine... il va faire 33, 34, 35 degrés. Voilà. Donc, ça me fait chier. Hein? Ouais. On était descendu à 20 en journée. Alors là, du coup, ça me fait chier de retourner, d'enlever la couette parce qu'il faut la remettre. Après, il faudra la remettre. Et je déteste. Ben, en plus, comme je viens de changer les draps, ben, du coup, je vais pas enlever laver la housse de couette. Je les ai changés il y a 2 jours. Je l'ai rajouté il y a 2-3 jours, ouais, la couette. Donc du coup, je vais pas encore... du coup, je pense que... je l'enlèverai quand je changerai les draps. Mais bon, je la garde quand même une semaine avant de la laver, la housse de couette. Donc ça sera la semaine où il va faire très chaud. Donc du coup, ça me fait chier, quoi. En plus, je suis bien, moi, dans ma couette. Au pire, je me découvre la nuit, j'ouvre la fenêtre. Ouais, je verrai. Ah, mais ça me fait chier, quoi. Parce que s'il faut vraiment que j'enlève la couette de la housse et que je la remette... la semaine... ouais, quoi que ça revient au même... ouais, mais bon, ça fait 2 jours. Oh, vas-y, c'est bon, on s'en fout, je raconte la vie de ma couette. Allez, on y go, suivez-moi. Ouais. Bon, du coup, on a rejoint ma mère, mais j'ai oublié de filmer. C'est excellent. Bon, après, c'était pas terrible, quoi. Ouais, on a juste été dans les courses. J'aime bien parce que je parle, mais en fait, on me voit pas. Tiens, te voilà. Ouais. T'es bien, on voit exprès. On voit juste mes gros bras, attends, pas moi. Comme ça. Je disais quoi? Moi, je disais, oh, c'était pas grand-chose qu'on était à la Leclerc, j'étais énervée. Ah ouais, non mais c'est pas possible ça. Tous les gens se sont donné rendez-vous ce matin à Leclerc. Attendez, je cherche sa rocade, je vous le dis. Ils peuvent pas rester chez eux les gens quand je vais faire les courses quand même. Ah non, parce que quand on est pressé comme ça, il est déjà 11h10 et il faut encore qu'on aille à apostrophe. Et je cherche la rocade, elle est où? Ah ouais, elle est là, l'entrée de la rocade. Donc voilà. On va rentrer, déjà on va chercher nos petits accessoires de folle. Ensuite on va rentrer manger, récupérer Chahine, rentrer manger. Et puis partir. Ok. Comment tu sais que c'est une rocade? Quoi, comment je sais que c'est une rocade? Mais c'est parce que c'est marqué sur les panneaux. Non, il n'y a pas marqué rocade, il y a marqué autoroute. Oui, parce que tu peux prendre autoroute par là-bas. Après il faut le savoir que c'est une rocade. Mais de toute façon, quand tu prends la rocade... parce que... qu'est-ce qu'il me fait lui? Il avance pas. Je rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça parce qu'elle est en train de se goinfrer la mamie. Et on a acheté des pommes d'amour. Tu sais, t'as pas montré les petites pommes d'amour qu'on ouais. a achetées. J'ai une pomme d'amour. Enfin, j'ai acheté des pommes d'amour. Ouais, j'ai payé quoi de moi? J'ai choisi.
J'en ai acheté deux, bien sûr. Hein. Bon, après, ça coûte un bras parce qu'à la fête, c'est quand même 1€, 1,50€. C'est 1,50€ à la fête et là, c'est... Non, des fois, elles sont à 2, hein, ça dépend des marchands. Hein. Bon, là, elle est jolie quand même. Donc, je sais pas si vous allez bien la voir. Attendez, je tourne l'écran. Regardez, elles ont des petits bonbons. Bon, là, il est un peu... Voilà, elles sont trop mignonnes. C'est facile à faire, le problème, mais c'est qu'on peut jamais les faire. Et à chaque fois qu'on les fait, Shane, il les mange pas. Ouais, parce qu'en fait, nous, notre caramel, là, il est toujours tout granuleux, tout pâteux. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à bien le faire. Ouais. En fait, il faudrait que je cherche la recette sur Google. Je suis sûre qu'il y a une bonne recette à ma table. Et puis, il faut le colorant rouge aussi. Nous, on met tout le temps du colorant bleu, des trucs comme ça, parce que j'ai jamais le colorant rouge. Ouais, voilà, bon, c'est pas grave. Ou alors, elles sont oranges. 2 euros de temps en temps, mais voilà quoi. Bon, allez. Kiss, kiss. Bon, du coup, nous sommes allés chez... Alors, on a fait apostrophe, Jiffy et Action. Alors, on a pris plein de choses, sauf qu'on n'a pas trouvé les dents, les fausses dents. On voulait des fausses dents, mais on n'a pas trouvé. Donc, chez Action, on a pris... Alors, on a pris que des trucs humoristiques, hein. Parce que ça va être vraiment des trucs humoristiques, hein, qu'on va faire. Ouais, des trucs de mongol, quoi. Donc, on a pris deux bandeaux comme ça, qu'on mettra avec des perruques. Pour vraiment faire, par exemple, Samantha Oops et des trucs comme ça, vous savez, vraiment les trucs cucul à praline. On a trouvé le chapeau de Ginette des visiteurs. Parce que j'ai vu passer un TikTok avec Ginette des visiteurs. On a pris différentes moustaches de différentes couleurs, hein, pour faire plusieurs bonhommes. Hein, le papy, le plus jeune, le plus vieux, voilà. Ensuite, alors ça vient d'Action, déjà. Donc ça, c'était 69 centimes, 2,99€. Ensuite, on est passé à apostrophe, et en fait, on s'est fait arnaquer, parce qu'on a pris ces lunettes-là pour faire la blonde de Nunuche, mais je les ai payées 2,50€, alors qu'elles étaient à 89 centimes. Ah, 1,50€ Non, 89 centimes à Action, mais bon, tant pis. Ensuite, on a pris le petit lot de moustaches, qui était à 1,50€, non ? Ouais, un truc comme ça. 1,50€ le lot. Et on a pris un grand nez, en fait. Voilà, on a pris un grand nez. Celui-ci, je crois qu'il était à 1,50€. Voilà, ça, c'est pour... apostrophe. Ah oui, 1,75€ le grand nez. Et ensuite, nous sommes passés chez Jiffy. On voulait des perruques, hein, des perruques colorées. En fait, on voulait surtout une perruque courte d'homme. On n'a pas trouvé. Donc, on a trouvé deux perruques de cabaret. Hein. On a pris une violette et une rouge parce qu'elles étaient en prix VIP à 3,50€ pièce. Donc, on en a pris une de chaque couleur. Voilà, voilà. Et c'est quoi aussi ? Oui, le bon plan pour ta truc. On a pris ça aussi. Oui, alors, putain, la oui de rêver. Voilà. Ça, je l'ai acheté à Leclerc. Ça, c'est mon eau où le matin, je me nettoie le visage avant de me maquiller. Et le bon plan aussi de Jiffy, parce que moi hier j'ai acheté ça en fait pour mettre les gâteaux que je fais maison ou les cookies, etc. Et en fait, Tissène, elle a pris celui-ci pour mettre chez elle, dans son studio, où elle mettra pareil des petits gâteaux. Et en plus, ouvre, c'est très hermétique, donc les gâteaux, voilà, c'est très hermétique ça, avec ça. Ignoble. Donc les gâteaux, du coup, ils vont tenir, ils vont pas être ramollis normalement. Et elle est à 3€ en ce moment à Jiffy. Voilà, en pub. C'est en pub. Voilà, voilà, voilà. Ce qu'on a pris. Donc, ben, attendez-vous à ce qu'on fasse plein, plein, plein de TikTok. Des TikTok de cons, hein, je vous l'ai dit. Hein, ça ne sera pas des TikTok. Il y aura peut-être quelques autres TikTok. Mais la plupart, ça sera des TikTok de cons. Voilà. Allez, là, on va manger. Que Tissène, il faut que tu vides de la vaisselle, que tu remplisses. Faut que je m'épile. Faut que je me douche. Tu fasses beaucoup de choses, je trouve, en 2 heures. Oui. Bon, allez, on va aller manger. 1 heure, ouais, tu veux dire. Non, on s'en va. On amène Chahine à l'école à 2h10, moi le quart. Non, Chahine, l'école commence à 45. Hein. Ben, c'est bon. Voilà. Commence à quelle heure l'école ? 1h45. Il faut qu'on parte vers 35. Ben ouais, t'as 1h15. Bon, allez, on va manger, on se dépêche. Bon, là, Jennifer, elle est en train de se chercher comment mettre les gâteaux. Là, il y a un morceau. Donc elle est en train de chercher, ouais. Pour pas que ça glisse dans la voiture, parce qu'on peut pas les toucher. Là il manque une deuxième couche, c'est ça. Parce qu'après on peut pas toucher, ouais. Donc on peut pas toucher avec les doigts, parce que sinon ça fait des trous, elle est obligée de tout refaire. Mais comme là quoi. Ouais. Ouais. Après tu le, de toute façon demain tu vas le. Tu veux qu'on t'aide ou pas? Ah, j'ai peur. Ça me fait peur, hein. Parce que tu es resté 2 jours, hein. Ouais. 2 jours complets à faire ça. C'est ça le truc. Le problème c'est que quand je vais soulever et les décos, tu les fais quand demain. Oui, au dernier moment. Mmh.
vois, c'est ça le problème. Ça va être bien. Mais tu mets ça par-dessus ça. Comme ça, tu peux l'attraper. Ça va glisser sur ça. Ah ouais. Non, mais ça, je vais faire comme ça, regarde. Sinon. Ah non, j'ai pas. Ah ouais, attends, on sait jamais. Hein. Attends, ça, je vais le prendre avec moi. Quelqu'un qui tape derrière. Je crois qu'il y a quelqu'un. Maman, il y a quelqu'un enfermé, ça fait des années derrière le mur. Ah ouais, c'est le fantôme de Ask. Non mais frère, on avait cru qu'il y avait quelqu'un qui tapait dans le mur, alors qu'en fait c'est des bouteilles qui tapent dans le mur. T'as pris des vrais coca, hein, t'aurais pu prendre des coca Lidl quand même. Ouais, je l'ai dit. Ouais, parce qu'il y en avait assez. Hein. Ouais, oh, c'est bon, hein, merde. Hein. Alors, ouais, ça coûte cher, déjà, coca. Ils vont critiquer quand même. Alors. Ouais, c'est ça. Ils vont quand même critiquer. Voilà. Non, mais tu savais pas que c'était ça. Un gros comme ça. Bon, voilà, ça c'est tous les gâteaux. Parce qu'en fait, elle fait, mais elle fera que le. Elle fait que le gâteau. Voilà. Oh, j'ai un cheveu. Mets le gâteau là, comme ça il voit. Ouais. Alors, moi, j'ai mis le cheveu là, vas-y. Comme ça, il voit. Il est là, il est là. Ah non, c'est un trait. Ça, c'était ton cheveu, de toute façon. Ouais, on commence parce qu'on doit partir la mougnon. Parce que tu sais, elle va au cinéma ce soir, hein. Il faut qu'elle y soit, il faut que je la déguise et tout avant. Hein. Elle veut pas se déguiser. Elle dit que c'est la honte de se déguiser. Dis-lui que c'est pas la honte, elle va gagner une surprise. Moi je me déguise, je te jure, même je me fous un garou moi. Tu crois qu'elle va gagner un chewing-gum? Ouais. Pas grave. Peut-être que tu vas gagner les places de cinéma. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Le ça. C'est soirée ça. Non, mais Skip il est bien aussi. Bon, ça sera l'estrade où on va danser. Et là-bas, c'est la salle où. Voilà. Voilà. Allez, on va commencer à tout ramener. Il faut tout ramener, maman. T'as rien ramené dans la salle. Il faut tout ramener. Pour commencer les décorations. Ah non, mais depuis tout. Ah non, mais depuis tout à l'heure, on lui parle. Depuis tout à l'heure, elle s'en fout. Oui, mais oui, mais attends, je peux pas tout faire. Ask. Déjà, toi, normalement, t'es interdit d'ici. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu fais là déjà. Déjà. Bon, allez. Oui, 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 mais t'es là surtout. On était censé y faire la surprise, mais elle nous colle. Elle nous colle depuis tout à l'heure, elle nous colle. Il faut qu'elle vienne mettre son grain de sel, la vieille. Elle n'a pas entendu, ça va. Elle n'a pas entendu. Écoutez-la, écoutez-la. Elle est encore en train d'essayer d'en... En fait, elle a un téléphone, le tactile, il ne marche plus. Alors, elle pète les plombs avec son téléphone. Oui, non, mais le mec, il doit ramener les manches debout. Non, mais les manches debout, il les a ramenées déjà. Il y en a d'autres, Jessica. Il t'a dit que non. Mais ça n'y est un autre. Ah, bon, voilà. Oh là là, mais ça y est, je ne sais plus. Ah, ça y est. Manches debout. Bon, on commence là? Oui, on commence parce qu'il faut tout ramener. Bon, allez, on va la laisser tranquille, la mounière. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. En plus, j'ai fait une connerie. J'ai tombé toutes les sucettes par terre. T'as ramassé? Non, j'ai pas ramassé. Regardez. Ben non, j'avais tout dans les mains. En plus, je peux pas me baisser trop. Hein. Je suis coincée du dos. Donc, regardez, j'ai ramassé toutes les sucettes par terre. Ah oui, je vous ai pas montré la coupe au carré. Ma mère, elle a fait la coupe au carré à son chien. Regardez. Regardez, elle lui a fait la coupe au carré. C'est pas moi, hein. C'est qui? Non, mais quand même, elle lui a fait la coupe au carré, quand même, hein. C'est ses oreilles, je crois. Oui, ben oui, elle lui a fait une coupe au carré. Eh oui, le monsieur et la madame. C'est eux qui vont ramener les alliances demain. C'est vrai? Oh, c'est la surprise. Oh oui, c'est pas grave. Bon, j'ai cassé les sucettes. Oh, c'est pas grave, ils vont les manger quand même, hein, les enfants. Regardez ce que j'avais écrit à ma mère pour son premier mariage. Attends, attends, je tiens pas. Jessica, la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente, bien sûr. Ah là là, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Bon, du coup, on a laissé les autres en train de faire un petit peu le rangement parce que finalement, Cindy, il faut qu'elle revienne à la poste. J'ai reçu un recommandé. J'ai pas mangé depuis 8h ce matin. Ah oui, il y a ta salade sur la table. J'ai faim. Elle est contente, elle a reçu sa trottinette électrique. Oui. Elle va pouvoir trottiner. Si je pouvais aller en ville avec, 5 km. Ben oui. Oui, il y a marqué non homologué pour la route, t'as vu? Ça se voit pas.
Ouais, je sais pas, je suis un homologué pour la route. On va te faire foutre, alors là, ça, je m'en fous, je mettrai un casque, ça sert à rien. Ouais, je sais pas. Bon, on verra bien. Ouais, voilà, tu nous la montreras un jour. Ah oui, tu nous enverras un snap. Je la déferai ce soir. Ouais, tu nous l'envoies en vidéo. Je fais, je la charge. Vous la verrez pas, mais moi je la verrai. Fais la charge avant, je crois. Ouais, non, en fait, faut que tu la laisses se décharger complètement, la batterie, et après tu la charges. Sinon, elle va. Faut faire toujours comme ça. Tu la laisses se décharger, et une fois que c'est déchargé, ouais, tu la recharges, parce que sinon tu vas abîmer la batterie. Ah, il fait bon là, parce qu'il fait combien il fait? Je pense que c'est maman qui a mis la clim, c'est pas moi. 30 degrés. Il fait chaud. Ah, puis j'ai une voiture de prix, alors faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait la voiture, maman? Et le vieux, il est rentré dedans avec l'attelage. Et en fait, elle a toutes les deux portières en bas, elle était enfoncée la porte. Celui qui est en tort? Oui, ça va. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a acheté. Bon, allez, j'espère que quand on va arriver, ça sera un petit peu fait quand même. C'est bien, ça les capture. Ça sera un petit peu fait. On verra. Bon, allez, on c'est vous laisse. C'est pas fini, on va aller chercher la glace encore. Où? À un moment. Quand? Première galère. Ah ouais, non, mais ça me déconne. Elle a loué ça, ça tient pas. Tu l'as loué ou tu l'as acheté? Non, elle a loué. Ça? Ça tient pas. Ah mais t'as loué les tables avec. C'est bizarre quand même que ça tient pas parce que c'est fait exprès, il aurait dû te le dire le mec. Bon alors du coup on va mettre du scotch. Clément, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sur du travail. Ah oui, en effet, ouais. Bon. Ça avance mais lentement. Hein. Ouais. Là, ça c'est la table. Boisson et fruits, la table du gâteau, on n'a pas fini. Le candy bar, il n'est pas terminé. Maman, il s'appelle Gilbert, bébé, il s'appelle Gilbert. Maman, ça, il n'y a pas marqué candy bar dessus? Sinon, on a un truc bonbon. Mais on ne sait pas comment l'accrocher. Ah, il y a un truc aussi. Ah, génial. Je pensais que c'était une grosse affiche. Ouais. Bah ouais, truc rose ou quoi? Avec des bonbons. Ouais, bon, on verra à la fin. On verra à la fin. Ouais. Qu'est-ce que c'est fait? Va tout casser! Non, mais comme ça, tu vas pas y arriver. Hein. Oh là. Non, mais. Ça, on va le mettre où? Dans le truc de boisson. Soit là, soit là. Là, non? Ouais, parce que là, il y a un, bas, y a trop, ouais. Un côté fruit, un côté boisson, il y a. On va mettre le boisson là. Hein. Ouais. Côté du bas, hein. Ouais. C'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Il est 5h moins le quart, je dois bientôt partir. Je reviens. Ah bon? Je vais chercher les gosses et je vais avec Farid et je reviens avec Farid. Non, tu restes là. J'ai voulu croquer un gâteau que j'ai trop, hein. Je crois que les acheter, ça fait 100 ans, les gâteaux sont dégueulasses. Ah non, hein. Là, ils sont secs, hein. Ils sont quoi? Ils sont secs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ah, elles sont dégueulasses. Ah. Elle est où elle? Elle voulait m'empoisonner. Elle est où? Je sais pas où elle est, mais attendez. Quand elle va arriver. Elle a voulu m'empoisonner, c'est ça. Vas-y, top. Bon, on a un petit peu avancé, mais pas beaucoup encore. Mais moi, je dois partir parce que Tissène va au cinéma et ça va commencer. Donc, le candy bar, il est là, il n'est pas terminé. Ça, c'est pas terminé. Ça, c'est pas terminé. Ça, c'est pas terminé. Puis les tables là-bas, elles sont pas terminées. On a juste fait quelques petits décors. Mais voilà. Il nous manque à décorer l'arche là-bas, mettre le tapis, plein de choses à faire. Donc, ben moi, je m'en vais. Et là, ils vont s'avancer, puis demain, on finira. Voilà, 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 voilà. Ah oui, d'accord. Et Madame Tissène, elle fait sa maline. Ça y est, Madame, elle se sent plus marcher. Tu vas voler, non, en marchant? Dior. Elle va voler, ouais. C'est la Dior. Non, maman, monsieur Pilon, je dirais que j'ai la gastro des jambes. Ouais, peut-être. Ils sont constipés, les jambes. Sans, sans. Tiens, Tilly. Tiens. Vas-y. Montre, vas-y. Bah. Marilyn, elle lui met la chaussure dans le nez. Je fais sentir, il s'en fout. Bah, dis-lui toi, Isaïe. Puis des pieds. Ah, ça pue. Ça, regarde, il a senti, il a fait. Ça pue. Regarde, elle a même l'œil qui a pleuré tellement que ça pue.
mon amour. Ça pue là. Bah. Oui, la madame. Olive. T'en as une dans les cheveux. Elle dit tout à l'heure, j'ai dit t'as une olive dans les cheveux. Elle me dit où ça? Elle est là. Comme si elle allait avoir une olive. Mademoiselle Marilyn Monroe, voulez-vous prendre pour époux Madame Jennifer? Ça serait un peu de la consanguinité, vu que c'est ma belle-sœur, mais sinon oui. Non, ça c'est l'année prochaine, Jennifer. Ouais, déjà. Monique, c'est la témoin. Oh la gueule. Monique, elle a la coupe comme ça. Moi, je jette le bouquet. Allez, vas-y. Bon, du coup, ben, moi, je suis bien rentrée. J'ai déposé les petits au cinéma. Donc, Tissène m'a appelé pour me dire que le premier film durait 2h30 et le deuxième film durait 2h50. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille les chercher au cinéma. Attention, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Il va falloir que j'aille les chercher à 1h du matin. Ah non, mais franchement, je vous jure que pas possible. Donc là, je me mets à faire le montage de la vidéo pour pour ma mère, hein, une petite vidéo comme j'avais fait pour mon père. Donc ça aussi c'est du boulot et ensuite je passe au montage de cette vidéo. Donc là, je pense que ça se termine aujourd'hui le vlog et puis voilà, la suite ça sera demain. Et puis voilà. Ouais, la suite ça sera demain. Demain. Ouais. Donc demain c'est le grand jour. Donc ça commencera pas directement avec la cérémonie, puisque c'est un vlog, enfin la cérémonie, on va faire une petite cérémonie, parce que c'est un vlog, donc je vais vraiment commencer, on n'a pas fini de décorer la salle, donc ça sera les finitions, ou toutes les petites finitions qu'il y aura à faire dans la salle, et puis voilà, ensuite je vous montrerai, je vais maquiller ma mère, on va l'habiller, plein de choses, j'espère que je vais trouver quelqu'un pour nous filmer quand on va arriver. Parce qu'en fait il va y avoir comment ça s'appelle, oh ça m'énerve de perdre mes mots comme ça, une arche avec un tapis et on va arriver tous un par un et puis ma mère elle va arriver en dernier etc, comme un mariage, sauf que c'est pas un mariage, c'est un renouvellement de vœux. Voilà, donc j'espère que ça sera joli et que voilà quoi, on va s'éclater, on va danser surtout et puis voilà, je pense que j'éviterai de filmer trop la danse pour les droits d'auteur, parce qu'évidemment YouTube bloque tous les droits d'auteur, 10 secondes de vidéo ça te bloque la vidéo. Bon voilà, allez, bon, mais je pense que je vous laisse ici et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah oui, par contre, mais je crois que sur TikTok j'ai fait le buzz, j'ai mis une vidéo hier soir, j'ai eu 150 000 vues, donc venez me rejoindre sur TikTok, j'ai eu 150 000 vues sur une vidéo. Et j'ai eu plus de 3000 ajouts depuis hier. Donc c'est énorme. Franchement c'est énorme. C'est énorme. Je vais m'éclater sur TikTok. Je vais m'éclater. Parce que quand je regarde les vidéos, j'adore. Oh, j'adore faire des sketchs comme ça et m'éclater, rigoler. Ah putain, la vie est faite pour sourire, pour rigoler, pour rire. C'est pas fait pour pleurer la vie en fait. On est tellement heureux quand on rigole et quand on s'éclate. Bon allez, je vais arrêter mon moment de nostalgie, je vais commencer le montage parce qu'il est 8h du soir et j'en ai pour un moment. Bisous, à bientôt, à demain.